Mesdames et Messieurs, si Messieurs vivent ensemble, ils ont décidé de virer Bouzamnan face à l'État haïtien. Eh bien, le président du Conseil de transition, Leslie Voltaire, en grande difficulté hier soir. Côté, si Messieurs vivent ensemble, ils ont débarqué la caille président. Eh bien, c'est ça, oublié ou pas fait. Eh bien, du fait, balle pété, il était là. Est-ce qu'il y a une victime? Dans la vidéo, ça, on a besoin de tout détail. Mesdames et messieurs, la société yon lot fè encore mauvaise nouvelle nan mitan policier yo. Yon policier arrêté et si yon présumé complice nan trafic zam ak bal pou Iso village de Dieu. Monsieur arrêté et nous pral tande plis détail. Selon porte-parole Maison Blanche lan, Karine Jean-Pierre qui annonce ça sous compte Twitter li jodi samedi 9 novembre 2024 là. Eh bien, sous invitation président Joe Biden, yon rencontre pral fèt ensemble avec président élu Donald Trump nan bureau oval la nan Maison Blanche mercredi à 11h AM. Gen plis detay k'ap vini, eh bien mesdames et messieurs, n'ap kito informé de actualité sa yo. Yon lot bord toujours après victoire Donald Trump, eh bien genyen plusieurs milliardaires qui ouè fortune yo augmenté de plusieurs milliards de dollars. Eh bien, parmi milliardaires sa yo, nous joignent Elon Musk, Jeff Bezos, ensemble avec Bill Gates. Elon Musk ouè fortune li augmenté de plusieurs dizaines de milliards de dollars, mesdames et messieurs, surtout Jeff Bezos, ensemble avec Bill Gates. Eh bien, monsieur sa yo tout, ouè fortune yo augmenté de plusieurs milliards de dollars. N'a pas continué dans l'actualité en Haïti, situation aurait été compliquée. Plusieurs zones là, gang yo toujours à faire des faits. C'est gang yo qui continue à pépiner puisque monsieur continue à faire zak kidnapping, continue à tuer moun, continue à voler, continue à piller, écraser. Et puis nous ouais en dans CPTA avec gouvernement, c'est une bataille totale qu'a mené. CPTA dit yo pas vle ouais gari koni encore, yo mandé monsieur pour lager piel et ceci yo écrit une lettre normalement j'en ai bay ça hier pour monsieur bay talon et lettre ça gagné pour le publier normalement comme quoi yo révoqué gari koni. Et bien c'est une actualité que n'a suivre et puis ta dans notre capsule là nous pral vinn ak plis detay. Et bien sans perdre du temps, dossier policier ça qui arrêté nous pral saisi tande. Comment monsieur lui-même lité nan konfiolo ensemble avec gang yo en pile policier pour ne pas dire tout. Et bien confond nan zak sal ensemble avec bandi yo. Et bien gen plusieurs autres actualités que nous pral partager, jakout nous charger koulek ba ensemble avec détail. Mais bien avant, on pas oublier saluer chagrin nan nou salutations spéciales pour nous toutes, quel que soit côté n'ap tande jakout nouvelle. Sans perdre du temps, on nous balancer dans détail yo ensemble avec monsieur. La police nationale d'Haïti, madame monsieur, continue à fouquer en pile mauvais grain dans sein yo. Un pile policier qui a pris code. Oui, la police nationale d'Haïti, madame, monsieur, a arrêté policier 25e promotion qui relait Jean-Ernest dans le trafic d'armes et munitions pour bandits vivants ensemble. Spécialement, côté que Yokin BMC, comme une nègre, qui a porté des armes pour chef gang ISO 5 secondes, madame, monsieur, dans le village de Dieu. Les bandits ont gagné accusation qui fait quoi? C'est lui qui a tué policier Udmo Luxon Jean, alias Son. Ça veut dire que la police nationale d'Haïti a raison pas qu'il n'y a aucun résultat parce que grand pile mauvais grain en dans grain institution ça. Mais pendant qu'on a parlé de bagaille ça, on a dit gagner gang vivant ensemble qui continue à mettre du fait la caille moun Solino, c'est kounya qui courir dans Solino tellement gain rafale cartouche qui a tiré dans Solino dans mon appareil là. Si y a son li man gomen en pile moun ki nan diaspora ki sorti Solino ki connaît Solino yo vraiment dit
eh bien, y a des gens qui sont vraiment en danger pour faire un gang vivre ensemble. À monter complot là pour faire un seul poté bourré sur Solido. Nous allons connaître plus de détails avec T. John qui va dire nous exactement comment diverses communes dans le département de l'Ouest sont levées pour matin, madame. Monsieur. Tout à l'heure, John va nous donner des détails. L'autre point, nous avons pour retourner, vient développer pour madame, monsieur, dans la capsule ça pour aujourd'hui. Eh bien, situation, elle n'est pas petite même. Jusqu'où il n'y a rien pour dire officiellement, malgré pile tweet qu'a fait depuis hier, comme quoi que CPT a révoqué le premier ministre Gary Conny. Mais en pile le monde dit bon, ça va passer. Mais Gary Conny, madame, c'est seulement officiellement le pokodé, mais officieusement, Gary Conny li presque pas premier ministre encore en DPI. Parce que CPTA, qui se conseil présidentiel transition, yo ta fait connaître que yo a retiré premier ministre Gary Conny dans primature. Yo remplacé li par Didier Fizeme. Et yo déjà voyé arrêté à la presse nationale pour publication. Ça veut dire que avant demain dimanche, yo ta supposé getan publié arrêté ça comme quoi que Gary Conny pas premier ministre encore. Mais internationalement, yo gen l'autre bagaille dans tête yo comme quoi yo besoin faut Gary Conny re toujours été là et yo besoin retirer Mesdames CPT yo et remplacer par yo juge dans la cour cassation. Mais et ça fait après CPT apprend li font coup de guidon là avant international la retirer yo même yo retirer Gary Conny d'abord. Mais ça veut dire qu'il y a un gros conflit qui est dans l'exécutif là, ça qui rentre jusqu'à présent dans mon appel là, et bien question insécurité à résoudre pour qu'on a, c'est pas facile dit tout. N'a pas possible avec l'autre point qui a dominé l'actualité, gagner madame monsieur go panique dans la caille communauté haïtienne nan dans Ohio après déclaration président élu américain sur antenne CBS News. En pile haïtien commence quitter esprit fit dans mon appareil là parce qu'il commence inquiet et il commence gain en pile inquiétude par rapport avec ensemble des discours de Donald Trump madame monsieur a pu mettre dans plusieurs interviews qu'il a bail avant de prendre pouvoir après être fin élu dans dernière élection américaine yo parce que 20 janvier pour plus tard et ben citoyen ça supposé entrer en fonction et ben en pile haïtien capable dans gokou pas seulement haïtien mais nous connaissons ses compatriotes nous c'est nous plus facile mais en pile immigrant pour la situation difficile mais depuis kounia même en pile haïtien commence à prendre mallette yo petit monde qui était l'école fait abandonner l'école là quitter Ohio rapide vite que possible. Gagné Pierre Espérance qui m'a demandé pour mettre trois conseillers CPT yo qui impliqué dans scandale BNCODE dans CPT. D'après lui, trois mousquetaires CPT ça yo représentent un mal épandi sous tête pays. C'est ça Pierre Espérance qui c'est coordinateur RNDDH en fait connaît. Yo l'autre bon, président parti EDA, ancien premier ministre Claude Joseph, déclaré, madame, monsieur, eh bien, conseil CPTA pas qu'à révoquer premier ministre là, en dehors de, madame, monsieur, organe de contrôle de l'action gouvernementale là. Selon l'article 37 décret 29 mai 2024 là. C'est ça, nous capables, madame, monsieur, garder dans tout que président parti EDA n'a pas aidé ancien premier ministre Claude Joseph fait qu'on est. CPT avec la primatie n'est toujours pas en harmonie, égo, intérêt mesquin qui à la base pour d'ailleurs oublier population. En tout cas, nous avons venu avec plus de détails. En attendant de nous entrer avec Fénelon, nous allons parler avec T. John qui va dire nous exactement comment ça y est dans la capitale là, sorti Léogane, rivé et passer pour l'autre commune qui trouvait quoi dans le département de l'Ouest, spécialement Grécie, Solino, Fort National, Tabac et Akaye. Comment ça y est dans le moment de parler là? T. John déjà en direct ensemble avec nous. Nabdil, bonjour et bienvenue sur Go Réseau Information, Diakote Nouvelle. Et M. Fenier, qui est là, moi salue Sansoto, qui est présent, moi salue, et chaque grand ami internaute de Diakote Nouvelle, comme d'habitude, qui toujours, prend rendez-vous ensemble avec Chanel, ça, pour capable, être informé de toutes les dernières informations. Donc, nous, exactement, je dis à la commune Carrefour, pour que nous arrivions, pour nous voir comment ça allait bien fonctionner. Et en commune, c'est là, parce que Odelson, c'est une commune qui est capable de tout le monde fonctionner. Parce qu'on est sous 4 ans de background, et ambiation dans la rue, donc machine qui est à côté de ça, toutes ces machines, alors
qui est au rendez-vous. Donc, parce qu'on est salué qui a fonctionné. L'an passé, par exemple, dans la zone 418, bloc Macomb, et toute zone ça même a fonctionné. Donc, c'est vraiment un peu l'ambiance qui est dans la rue, dans le café, dans le moment où on a parlé à la Odelson. Et malgré pas l'école, lui, je me suis dit que l'école a sûrement bien plus d'ambiance toujours, mais pas que l'école, mais ça va empêcher le monde, même bien sûr, c'est pour capable de vacuer ensemble avec l'activité. Comment ça y est pour Léogan et Martin? Situation au niveau de l'Éogan, les passés même genre avec Kafo, côté que toute activité a fonctionné pour la commune l'Éogan matin, d'après les détails que tu as cherché au niveau de l'Éogan avant même que nous arrivions dans Kafsézan, toute activité a fonctionné normal au niveau de l'Éogan. Sauf que Odelson, suspense a toujours été la caille chaque monde qui a vécu dans la commune, c'est là puisque. Et nous connaissons dans les organes depuis que les messieurs même étaient annoncés qu'ils ont brûlé sous dans la communauté là, et bien nous même étaient juste été sous suspension. Il y a plein de choses qui peuvent passer au niveau de la commune là et aux personnes. Nous avons fait que nous même toujours été fréquents, ok, malgré en fait qu'ils sont avec des vidéos, mais ils ont toujours été peur, surtout dans la zone la colline, puisque nous connaissons la colline est pratiquement limitrophe. Et on partit entre les organes et les grissiers. Donc, c'est là, nous sommes capables de suspendre plus Chita. Et lorsque la colline, nous arrivons dans la zone Slon, la zone La Féronée, et bien, on va faire une suspendre ça, parce que la zone, ça, même, il y a tout près, comme une grissier, ok? Et toute zone base de sa plateau, donc, tout le monde qui est dans la zone, ça, chaque jour, donc, on est arrivé, il y a plein, bien sûr, qui ça qui il va passer. Concernant l'annonce qui était faite pour la mer à lui-même, connais que nous connaissons et chef gang c'est la plus qui même qui a dirigé notre arène. Connais que l'été a annoncé que depuis lundi passé à pour bateau pas passer sur la mer, donc mais jusqu'à présent nous pas avoir entendu rien. Donc est-ce que c'était une pression que le travail pour être capable de faciliter que la route nationale a débloqué? Nous pas connais, mais jusqu'à présent et pas vraiment rien qui passait après annoncer là. Donc heureusement nous capable de dire pas rien et qui passait, mais et tu vois toujours même qui était qui pas vraiment fait ligne pendant ce maintenant. Alors pendant la formation ce maintenant, et bien dans ce maintenant là, donc je retourne ensemble avec activité normal. Donc là on entre nous comment dire Chrétien, alors pour quitter Chrétien ou entre émergé ou entre Mariani, c'est parce qu'il même quand il a toute activité à fonctionner, sauf que monsieur Vivant Samuel même qui est toujours présent, et bien et sous la rue. Alors comme une fonction dit comment ça y est. Donc, malgré les policiers dans le commissariat Omega, mais les barrières commissariat lui-même, les grands ouverts. Donc, c'est ça ma constaté là, actuellement là. Donc, nous devons commissariat Omega. Donc, les barrières grands ouverts, pas qu'un rien lui-même qui a fonctionné. Et dans le commissariat, ça a parlé. Et il doit détruire le monde en civil. Donc, nous avons connaissé les policiers, oui. Mais qui nous toujours remarqué dans la cour, soit qui chica, capable de blague, etc. Mais nous n'avons jamais remarqué les policiers en uniforme en tant que commissariat Omega. De même, tout au commissariat Seychelles, vous voyez que c'est le monde qui est devant le commissariat en commissariat à Capone, produit, commissariat à Fermé, donc il n'y a pas grand-chose qui a fonctionné là-dedans. Antenne qui est la question Chanel, même quand c'est là, donc ça qui est Rivière Fatou aussi, même situation, parce que nous connaissons et quand tu sais, ou même qui était venu pour la commune Kafo, même il était couru, et tout le monde dans une rivière froide, et il était pour un otage, le commissaire Yassila, et Kafo lui-même, il était gourmet pour le construire. Donc c'est ça, nous avons fait pour ça, et pour le Kafo, ensemble avec le reste de la zone de la capitale là. Donc il était Kafo, pour un route bâtissant, et même là, machine, personne de Kafo, le même maillot, au niveau de Centre-Ville, sans problème. Et là, le Centre-Ville, Odesson, eh bien, c'est là où l'obligé font tirer à l'ancien, où l'obligé font tirer garder pour droit métro, puisque là, les mêmes, ils ont l'autre situation, puisque nous connaissons depuis quelques temps, et côté qui est les solides noirs, ou bien, tout à fait, le Front National, donc, ça, eux-mêmes, ils sont pratiquement préoccupés par rapport à ça, avec, eh bien, ils ne sont pas eux-mêmes qui étaient venus pour zone ça en otage, malgré Solino lui-même, les perdus. Et jusqu'à matin, il y a un peu de cas qui continue à bouler au niveau des Solino ou des zones. Donc, c'est une situation qui nous a dit difficile pour mon Solino. Et nous avons désormais dit que Solino perdu. Donc, il n'y a pas de monde qui a perdu de Solino encore. Donc, ça a été dans Solino à Nègre.
nèg vivant sans mieux fin avec lui pour lancer fonds national la carte pour ouais déjà il est capable prendre à compléter perdre fonds national à un moment donc c'est pratiquement perdu pour blanc perdu la lue perdu tout en l'air baboudon ben c'est ça donc nous avons dit c'est la majorité critique et nous qui nous allons de même fonds national et nous avons toujours tendu et de donation des transmetteurs qui a sorti au niveau des Solido, au niveau des Fonds nationaux et Balmaroto qui continue à tomber un peu partout dans Saint-Ville, Port-au-Prince. L'entité dans les zones Solino, où vous voyez encore Soudelma, Pitionville, donc jeudi samedi, donc tout ça a fonctionné, sauf que l'actualité politique là, nous connaissons les zones là, ça a vraiment concerné, surtout dans Pitionville. Donc les situations qui va être claires entre CPT et Gargonim, parce que est-ce que nos questions sont venues avec plus de tâches d'informations là. Donc, l'on quitte une zone à l'insaïe. Vous voyez qu'on donc, il a semblé que le ministre de la Justice a fait des tentatives pour essayer de retourner ensemble avec le tribunal de paix dans le coin des bouquets, ou bien il a tourné avec le parquet, disons, le coin des bouquets, parce que nous connaissons le coin des bouquets, même si on a une juridiction à pas que lié. Donc, le ministre de la Justice a fait tout ça, le coin des bouquets, tourner avec lui, mais nous connaissons, puisque le paquet, alors, la justice auxiliaire. La justice qui vient, si pas de la police, vraiment, il y a une de décision de justice à l'appeler par le pape Capouin. Donc, est-ce que, retourner avec la justice dans en coin de bouquet, est-ce que tout y a retourné avec la police? Donc, nous ne connaissons pas, puisque coin de bouquet, c'est une commune qui est pratiquement les mêmes, était perdue et qui n'a pas déjà gagné présence et autorité policière là-dedans depuis quelques temps. Ok, donc, c'est ça, et coin de bouquet qui, nous avons dit qu'il continue à fonctionner tout, mais sans présence. Autorité locale et centrale. De même tout, là, vous voyez qu'on zone Boripo, vous voyez qu'on zone Canaran, qui est Canaran, vous voyez qu'on avait une zone en Montrouge, jusqu'à ce moment-là, à Caillère. Donc, à Caillère, on est capable, et si on est capable plus ou moins joindre des droits autoritaires, mais c'est une grande question qu'on est capable de poser, puisque nous connaissons, et à Caillère lui-même, les sous-menaces, n'est-ce pas, du VBO, n'est-ce pas, n'est-ce pas, n'est-ce pas, et depuis quelques temps, donc ça qui continue à faire que les gens même ils continuent à quitter la KF pour aller au niveau de l'arrondissement, surtout dans sa galère, pour que les gens continuent à dévaquer par pile et par maquette, donc pour capable de réfugier en face avec cette situation difficile nous connaît à KF pour les jeunes et jeudi à Odessa. Donc c'est pour ça que nous avons dit capital à lever. Alors fin du tout, et capital à lever et demoiselle, alors tant à lever demoiselle, tout pays à jeudi à vraiment désolé, c'est que nous avons parti et pas vraiment du soleil, ok, pas un soleil qui va être même, soleil là va lever même, c'est temps et qui m'arrête à couper par de la pluie, donc mais ça n'a pas empêché que tout le monde continue à fonctionner ensemble avec activité normal au réseau. Merci beaucoup, Tidjon, qui t'a dit nous exactement comment diverses communes dans le département de l'Ouest sont levées pour matin. Et nous allons parler avec Fenelon Williamson sur le sujet ça. Côté la police, arrêté policier 25e promotion dans la police là. Monsieur Kirele Jacques Ernest dans trafic d'armes et munitions pour bandits vivant ensemble, spécialement les guizos. Ma bonne tout le monde, c'est pas pour la première fois que la police nationale d'Haïti a arrêté des policiers dans Saint-Yo qui dans gang, des nèg qui dans connivence avec bandits, des nèg qui ont bon genre habitude à simuler la trouble et pendant au film mélanger avec la police avec les bandits alors. Prend information de la police là, partagez avec bandi sans foi ni loi. Et bien bandi, et bien principe bandi ça, on parle de policier Jacques Ernest, c'était un homme comme un nègre qui a participé à l'assassinat policier Idmo Luxon Jean alias Son. En plus, une fois, il y a un truc policier ça, c'est parce que le policier a connu, le policier a gagné information dessus, le policier a gagné altercation tout. Avec quelques patrons, on va parler des bandits. Oui, les policiers ont gagné des informations sur les bandits, sur tout côté où il a fonctionné. Ça rend les policiers à Paris doivent vivre. Ok? Les policiers à Paris doivent vivre. Et ça fait, il y a un pile de policiers qui ont tué les policiers pareils. Il y a des policiers qui sont tombés, un pile de monde dit bon, tel gang tué tel policier. Non, un pile de fois, ce n'est pas gang qui tue les policiers, mais c'est les policiers qui ont mangé les policiers. Ok, nous allons attendre Fenelon Williamson qui va nous plus de détails, plus d'explications sur la façon que la police arrive et fout que policier 25e promotion de la police pour trafic d'armes et munitions. Fenelon Williamson. Je vous souhaite annoncer la collègue Saint-Fleur. Évidemment, la police a annoncé
li fè yon gwo kou de filet nan finisman jounen vendredi yè la. Vendredi sa nan fè sonje ki te 8 novembre 2024. Interpellation policier Ernst Jacques pour détention à trafic illicite de munitions de différents calibres. Policier Ernst Jacques et un agent 3 qui affecté dans l'unité temporaire anti-gang du TAG. Les jeunes arrestations par une patrouille, unité départementale métier d'ordre du DMO. Et qui a mal obédience à vidéo 1 à Port-au-Prince, c'était vendredi 8 novembre 2024, là, c'était hier. Au niveau de Champ-de-Mars, ils ont arrêté policiers ça qui étaient en possession de 2400 cartouches. Parmi là, il y a 1400 cartouches, ça, il y a des deux calibres 7.62 et 1000. Les options, c'est de calibre 5.56. Dans le cadre d'interpellation, ça, policier Ernst Jacques était trouvé à bord d'une machine privée qui c'est une machine de marque Subaru Forester de couleur grise qui immatriculée PB-14503. Parmi l'autre matériel, la police dit, il joint en ta machine policier Jacques Hens. Je parlais des armes de service libre, une arme qui de marque Glock 17, un chargeur qui gagne 17 cartouches, un fusil d'assaut de marque PTR de numéro série DK-05852. Et puis, on joue tous 4 chargeurs parmi là d'ailleurs. Un chargeur qui gagne 20 cartouches, 7.62. À deux autres chargeurs qui gagne 20 cartouches, 7.62. Le jeune de téléphone portable et qui me marque Motorola et l'autre là de ma T-Mobile. Parallèlement, la police a profité pour arrêter madame policier Jacques Hens qui portait nos glories à Pierre et qui c'est madame policière qui fait partie du personnel administratif institution policière qui donc Jacques Hens lui-même c'est policier qui affecté dans l'unité du TAD et madame Niki Gloria Pierre li a travaillé dans la police là dans les sous-humaines ou bien les mêmes personnel administratif la police là. Et bien toujours dans ce rapport avec information ça yo selon premier élément information que nous même nous joignons au niveau de Jacoute Nouvelle. Et bien, Zamsayo, yon soti nan stock PNH la, en complicité avec Madame Ni Gloria Pierre, qui donc le fait que Madame Ni a travaillé dans l'administration police la, et bien, yon prend balle la police la pour aller vendre bandit, qui donc dans pile. Police ont été courus, c'est pas la police la même qui touille yo. Et j'ai été mentionné ça à la collègue Sefleur. Évidemment, majorité policiers ont été qui mourent. Dans Port-au-Prince, c'est pas bandit qui touye yo, c'est policier pareil qui touye yo. Et on parle d'abord avec, c'est unité, c'est patrouille, policier ça, qui te kembe Jacques Entier. Si monsieur te demoye pour le détouye yo, pour le déchapper pour lui, pas mandem est-ce qu'il t'a fait qui donc, majorité policier ont été tombé dans Port-au-Prince, c'est pas bandit qui touye yo. Nous parle qu'on prenne plus loin. Là un policier croise un policier pareil, il quel bac à sauter. Parce que c'est un policier même avec les croisavel. C'est un papa même j'avais qui le contre. Mais le policier a lui-même le croisa bandit, le policier a lui-même l'a veillé pour lui, l'a veillé col dans la rue pour bandit, mais le policier a pas qu'à veiller tête contre le policier pareil. Et bien voilà ce qui fait majorité policiers qui mourent dans Port-au-Prince. Et bien c'est pas, et c'est pas bandit qui touille yo, c'est pour policiers pareil yo. Et bien sur même note ça, l'important pour dire que l'arrestation ça a rentré dans le cadre de détermination ou commandement police là, qui vient en tête le commandant en chef, Nomé Rameau, qui visait pour épurer, pour nettoyer l'institution policière là dans tout niveau, pendant la poursuivre bataille contre banditisme grandissant sous toute forme. Et bien pour vous allier là, Jacques Hens à toute madame, dévolant.
de assassins criminels ça yo qui t'a utilisé la police là pour te accompagner bandi n'a posé zak malhonnête n'a porte pour sac d'athlète dans reste pays là yo trouvé yo et au niveau de la DCPJ pour être capable de continuer répondre questions enquêteur DCPJ voire pour capable arriver démanteler les criminels machines armes complice complotés dans tête collée à bandit machine cartouche qui est dans la police là et en dans la police là même j'ai noté dit sur institution qui crase déjà la police a crasé longtemps ça et majorité policiers qui mourent n'a répété n'a insisté sur ça c'est pas mon Dieu qui touye yo majorité policiers qui tombé c'est pas et bandit qui touye yo et bien c'est trois policiers pareil yo et bien Jean Dormil Ramou annoncé les directeurs mettent pas arrivé établir sécurité dans pays là mais il pral boumé pour faciliter pendant n'a dit ça et il lui démantelé pour démanteler tout réseau criminel qui a fonctionné dans la police là et nous comptons des gangs c'est pas le ghetto qui gagne c'est la police là qui gagne et la vérité gang police la plus fragile que gang à sa patte là on avance avec information collecte fleurs ouais sorti là c'est pas qui grave gang qui est dans la police la plus fragile que gang à sa patte là. Oui, ça dit la vérité. En même temps, grave pour la police. Parce que, on va marcher là où on patrouille la police. Ou est des trois policiers sur moto. Ni femme sur yo. Normalement, yo habillé avec la police. Yo qui comportement policier. Et des pouvoirs yo, ou à l'aise. Aucun peur. Parce qu'on sait, la police qui est là pour protéger sa vie. Et qui a touché par contribuable population. C'est l'État qui paye, comme ça, sorti dans nous-mêmes qui a contribué en tant que pays. Mais, c'est ça qui est grave, leur pensée ou pas aucun peur. Ou à marcher sans crainte, et puis ouais, même nèg sa yo, ou vri katouche sur ou grand la journée. Même nèg sa yo, y a fait complot pour capable détruire une série de personnalités en tant que pays. Même nèg sa yo, a volé les âmes. Munition la police là pour bailler avec nèg ak sa patio qui au même yo là encore pour résoudre pour croper nèg yo mais même quoi bailler zam. Est-ce que c'est pour première fois ça fait dans monde là? Est-ce que c'est Haïti c'est seul pays que comme quoi me que bandi entré ou bien la police entre dedans bandi yo a bailler service avec bandi au lieu de la police? Non, c'est pas pour la première fois. Ça fait Mexique, Colombie, États-Unis et tant d'autres. Mais pas Haïti à Picouyol. Non seulement pas Haïti à Picouyol, mais pas Haïti à tout. Nous pas jamais capable de résoudre. États-Unis ça fait on les comme ça. Colombie on les comme ça. Mais Haïti, ça va arriver chaque jour. Ou j'ai l'impression que sous chaque 10 policiers dans une institution ça, il y a 7 là dedans pas faire confiance. Il y a 7 là dedans peur. Il y a des côtés à passer si tout. La capitale là. Depuis la police en côté ou en ralenti. Pendant ça que l'on la police, tu as supposé accélérer. Tu as supposé content. Depuis qu'on n'a pas ou a vu l'aucun loi pays, tu as supposé à l'aise, soit vu l'aucun loi circulation. Mais, bah, y'a pas petit même dans le pays. Bah, y'a pas petit même. La police n'a confié l'eau pour tous les présidents. Y'a pays. La police, madame, monsieur, n'a confié l'eau avec gang. La police en détourne mes marchandises. Dernièrement, là, je me songe que yo arrêté un policier parce qu'il a détourné un camion. Camion diri. C'est vrai qu'il y a des gens qui vont dire c'est parce qu'ils ont payé un petit casse-cop, qu'on manque des moyens économiques comme un train pour plusieurs policiers. Nous concernons ça. Mais, finalement, le problème là, je n'ai pas 40 mois et je vais faire n'importe quoi. Moi, je ne vais pas parler là, c'est le problème là, je ne vais pas gagner. Mais c'est parce que nous contrôlons. Nous contrôler tête nous connaît très bien que des bagages nous pas supposé faire. Nous connaît très bien nos comportements nous supposé gagner dans société. Nous c'est monde d'abord, pas gagner monde qui pas gagner problème l'argent maître Fenelon Williamson. Pas comprendre action gang yo en dans pays. Après la police yo
pas gain accès pour infiltrer gang nan. Comme quoi que entrant dans gang nan pour bailler information avec la police et pas ça vous fait. Et entrant dans gang nan pour me servir gang nan. Mais c'est pas l'état, c'est pas la population haïtienne. Nous sommes pays qui sous nous signer tout papier net qui gagne qui montre clair que nous en voie de disparition. Pays a crasé, pays a brisé. D'ailleurs, Fond National ouais bandi on te prend, c'est bandi qui baï li. Gantier c'est bandi qui baï li. Pas bandi non, la police qui baï li alors. OK? Solino c'est policier dans Solino, moun Solino baï li. Gressé c'est moun Gressé qui baï li. Ça veut dire que ou vedri vont face on côté ou qui a sous confiance. Si c'est moun dans zone non, voisin la kawa pour faire confiance. En plus fois voisin la kawa lui même pour piper. Moun ki proche ou kap manje avant tout chaque jour aller pour piper.